Les Pyrénées. Une chaîne de montagnes unissant deux pays, la France et l'Espagne. Des sommets célèbres, Vignemal, Balaitus, Osso ou Néouviel. Des parois et des apics, des glaciers et des crevasses. Cela, tout le monde le sait. Mais c'est aussi une montagne secrète, aux vallées secondaires ignorées et d'accès difficile. Et pour notre joie, une montagne qui ne se livre qu'à celui dont l'amoureuse patience en aura fait découvrir tous les recoins oubliés. Un monde aux aspects parfois sévères. Et pourtant, un pays qui n'est pas un désert. Un pays aux grands espaces, habité par des bêtes libres. C'est dans ce pays des hautes vallées du Béarn et de la Bigorre que se situe le parc national des Pyrénées. 48 000 hectares de forêts, de pâturages et de hautes montagnes où la bête sauvage, le rapace, la fleur ont désormais le droit de vivre en liberté. Aimer un pays, c'est prendre le temps de le regarder, de le découvrir. Regarder la vie qui se manifeste partout lorsque le soleil de juin libère la montagne de la neige qui la tenait prisonnière. Éprouvé par la rudesse d'un long hiver, les isards se reforment en hardes nombreuses et jouent volontiers sur les névés. Ces isards qui sont aux Pyrénées ce que les chamois sont aux Alpes. À l'écart, les mères ont donné la vie à leurs petits. Le jeune isard est un merveilleux petit animal capable de gambader dès les premières heures, mais fragile et sans défense. L'ennemi peut surgir d'un fourré sous la forme sournoise du renard, ou tomber du ciel à la vitesse de l'aigle. Mais la mère est là, qui veille. Aujourd'hui, c'est une fausse alerte. Ce planeur dans le ciel, cet oiseau qui inlassablement survole forêts et précipices, ne fera de mal à personne. Pourtant, c'est le plus grand de tous les rapaces, le gypaète barbu. Son aire, une étroite corniche dans une falaise abrupte. Adulte, le gypaète peut atteindre jusqu'à 3 mètres d'envergure. Remarquable par son poitrail orangé, couleur de cuivre et de feu, par sa barbiche de plumes qui tombe sous son bec et par son regard cerclé de rouge, c'est un oiseau splendide. Dans les montagnes de l'Inde, où il est encore en nombre, il jouit d'un tel prestige qu'il a été élevé au rang d'une quasi-divinité sacrée, que l'on entoure d'un profond respect. Ceci lui a valu d'être efficacement protégé et considéré comme intouchable. Très rare en Europe, on ne le retrouve chez nous que dans les Pyrénées, au nombre de quelques couples.
Le jeune, sans défense, fragile, rivé pendant des mois sur sa corniche, est tout entier dépendant de ses parents. Ce n'est que peu à peu qu'il va prendre conscience de l'utilité de son bec, de ses serres et de la puissance de ses ailes. La nourriture du gypaète est très particulière. Il se contente souvent des restes de festins des vautours. Carcasses de moutons, isards pris dans les avalanches, oiseaux migrateurs morts de froid. Les ossements trop gros sont enlevés en plein ciel, puis projetés dans le vide pour qu'ils se brisent sur un rocher. L'oiseau revient alors récupérer les débris. C'est pour cela que les Espagnols ont appelé ce grand rapace le briseur d'os. Le pic du Midi de Sceaux, c'est dans les Pyrénées le paradis des grimpeurs. Mais c'est aussi, en plein parc national, le secteur le plus riche en bêtes sauvages. Dans cette vallée et dans la vallée d'Aspe, voisine, vallée riche en forêts secrètes et en pâturages, on trouvait refuge les derniers ours bruns des Pyrénées. Parmi les derniers observés, ce petit ourson turbulent, égaré, recueilli par des enfants. Il est encore à l'âge tendre. Adulte, il atteindra facilement 200 kilos et deviendra une bête magnifique. Au pied des parois verticales des aiguilles dans sa baire, nous rencontrons un autre familier de ces grands espaces, le grand vautour fauve. Pendant la belle saison, il fréquente surtout la haute montagne. En hiver, il niche à basse altitude dans les anfractuosités des parois calcaires. C'est un merveilleux voilier de plus de 2,50 m d'envergure, au vol parfait, silencieux et précis. Seul un affût prolongé, fait de patience, de discrétion extrême et d'amour, peut permettre de l'approcher comme ici. Son petit, qu'il couve, puis réchauffe avec tendresse, n'est tout d'abord qu'une toute petite chose en duvet. Le vautour, incapable de transporter une proie dans ses serres, nourrit son enfant en dégurgitant une partie de son propre repas. Oiseau migrateur, le percnoptère d'Égypte revient avec le printemps retrouver son aire et élever sa progéniture dans les Pyrénées. De taille nettement inférieure à celle du gypaète et du vautour fauve, il en diffère aussi par son plumage blanc, aux ailes frangées de noir
et par sa tête jaune aux plumes ébouriffées. Avant d'être le jardin du touriste, avant d'être le terrain du grimpeur, avant d'être le champ d'action du scientifique, avant d'être le lieu du parc national, avant tout, la montagne pyrénéenne est le pays du berger et de son troupeau. En long cortège montant des vallées, la transhumance dure des jours et des nuits. Pendant toute la saison d'été, le berger vivra en altitude parmi ses bêtes. La traite se fait toujours en plein air, sous le soleil, mais également par mauvais temps. C'est ici, en pleine nature, de façon tout aussi artisanale qu'il y a des siècles, que se fait le fromage des Pyrénées, fleurant bon le serpolet et le trèfle sauvage. Attirés par la présence des troupeaux, nous retrouvons les grands vautours fauves. La bête crevée ou accidentée n'encombrera pas longtemps les pâturages. L'œil perçant des rapaces a vite repéré la proie. Et le travail commence. Véritable danse macabre devant un si beau festin. La lutte est sans pitié. Les jeunes vautours, au cou plus sombre, sont impitoyablement écartés. Ils devront se contenter de quelques miettes ou savoir profiter d'une dispute pour dérober à la hâte un beau morceau. De la bête morte, il ne restera très vite que les os et la peau. Le gypaète les récupérera calmement après le départ des vautours. La nature fait bien les choses. Toute trace de cadavre disparue, le risque d'épidémie et de contagion est éliminé. Réflexe naturel mais émouvant, le chien berger, dressé pour la défense du troupeau, ne peut s'interdire d'intervenir. Et ce vacarme intrigue ce jeune pic, qui, lui, ne comprend pas. Ailleurs, nous avons rendez-vous avec la marmotte. Réintroduite dans les Pyrénées, d'où elle avait disparu, elle s'est très bien implantée, colonisant les zones d'éboulis propices à la construction des terriers. Le bruit, pourtant discret de la caméra, la fige sur place et elle perd un peu de son naturel.
Ce lagopède ou perdrix des neiges qui a osé s'approcher de si près son territoire semble bien suspect. Il n'est certes pas dangereux, mais ne serait-il pas lui aussi le signe d'une autre présence? Celle de l'homme, par exemple? Bon, rentrons chez nous. À la fin de l'automne, les premières neiges ont recouvert la montagne. La neige est une chance extraordinaire pour l'approche et pour l'affût. Elle trahit le passage de la bête la plus secrète. La moindre empreinte s'y inscrit. Les cheminements les plus tortueux sont dévoilés. Les joies sont grandes pour celui qui saura, malgré le froid, malgré les difficultés, se hâter vers les sous-bois où s'installe déjà le silence de l'hiver. Pour les isards, le rut a commencé. Longue période des amours qui peut durer de novembre à janvier. Longue période de lutte aussi, où les mâles en guerre ouverte se disputeront les compagnes les plus belles. Le mâle suit à l'odeur la femelle qu'il convoite. Son poil hérissé par le désir, le cou tendu, il pousse un cri qui n'est ni un bêlement ni un brame, mais dont la signification est profonde. Alors qu'au printemps vont naître les jeunes isards, fruits des amours de l'hiver, un des plus beaux oiseaux des Pyrénées entame à peine ses parades nuptiales. Entre 1500 et 2000 mètres d'altitude, dans l'intimité propice des forêts de conifères, le grand tétras ou grand coq de bruyère sent la sève printanière monter en lui. Peu d'oiseaux, peu de bêtes même, ressentent un tel trouble sexuel lorsque viennent les jeux de l'accouplement. Ici, parce qu'une poule fréquente ces lieux, un coq en extase parade à travers une chevrée d'isards avec une insouciance et une imprudence qui touchent à la folie. Tant il est vrai que le cœur a ses raisons, qu'une cervelle de tétras a du mal à comprendre. Le tétras mâle, extrêmement sauvage, effarouché à la moindre approche, perd à ce point la tête au moment des amours qu'il devient d'une vulnérabilité sans nom. Les femelles feront leur choix, attentives au ramage plus encore qu'au plumage. Au lever du jour, à terre ou sur un arbre, le coq lance son chant pour attirer à lui les poules de bruyère.
Répondant à l'appel, les femelles se sont branchées, plus belles encore sous les caresses des premiers rayons du soleil. Elles attendent, prêtes à la grande ivresse des amours. Montagne aux aspects les plus divers, parcourue de torrents et de cascades pressées, peuplée d'une centaine de lacs, le parc national des Pyrénées est le lieu où la rencontre avec l'eau est une joie nouvelle. Dans un monde où les cours d'eau deviennent un peu partout, les véhicules faciles des saletés et des détritus de l'homme, la montagne qui donne naissance à cette eau prend une valeur incomparable. Lac au dégel, lorsque la glace flotte encore à la dérive, ou torrent rapide se précipitant vers la vallée, nous sommes dans le domaine de la pêche sportive, mais aussi dans un monde très particulier, celui de la clarté et de la poésie. C'est un milieu d'une délicate fragilité. Célèbre parmi tous les paysages pyrénéens, le cirque de Gavarnie, avec ses murailles et sa grande cascade. Les visiteurs et les curieux y viennent en foule, attirés par le grand spectacle. Mais pour rencontrer ces autres merveilles que sont les fleurs sauvages, épanouies au bord du ruisseau ou blotties dans la faille d'un rocher, il faut savoir s'arrêter et prendre son temps. La Ramondia des Pyrénées, ainsi nommée en l'honneur de Ramon, explorateur du Mont Perdu, une endémique pyrénéenne aux couleurs de velours. Elle colonise les rochers humides qu'elle éclaire de violet et d'orange. Autre endémique, le lys des Pyrénées, qui fleurit dans les pelouses proches des sous-bois. C'est pour les hommes de demain que nous avons voulu préserver et protéger les beautés et les richesses de la montagne. Sous la conduite des gardes-moniteurs du parc national, Jean-Marie et Arnaud sont partis pour le pays des merveilles. Ils ont rencontré sur les pelouses ou la rocaille le papillon et la fleur. Ils ont découvert le prix du silence, la bonne fatigue de la longue marche. Ils ont apprécié le repos de la nuit dans un refuge. Et visité le musée de la porte du parc.
Au matin, à travers clairières, torrents et ponts de neige, ils connaîtront les émotions de l'approche et de l'affût. Ils n'auront jamais l'impression de se trouver en face d'une nature domestiquée, mais en présence de bêtes libres, toujours craintives, toujours sauvages, toujours prêtes à fuir. Avait appris que l'homme des origines se battait contre des forces terrifiantes et contre des bêtes énormes toujours prêtes à l'anéantir. Ils découvriront que dans la nature aujourd'hui, le plus faible et le plus menacé n'est pas l'homme, mais la bête sauvage. Ici, c'est elle qui, de son regard un peu triste parfois, implore pour elle et ses petits le droit à la liberté et à la vie. Car le sommet dans son paysage grandiose, l'eau miroitant dans le lac, et la fleur sur sa pelouse chantent le même désir de voir enfin réconcilier l'homme et la nature.